Coucou. Waouh, je suis tellement jet laguée. Ce matin, je me suis réveillée à 6h. Ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai édité mon nouveau set. Je l'ai upload sur YouTube. Là, il est encore en train de charger, ça a bugué. Et ah, 87%. Bien, toute la journée. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je me suis réveillée. Là, je me suis préparée pour aller au resto. Mais en fait, il se passe un truc de fou chez moi. Et j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur ça. J'ai coupé la musique parce que c'est vraiment un sujet très, très sérieux. J'ai une amie à moi qui est du coup ma coloc, que j'aime énormément. On est très, très proches. On est vraiment... On est fusionnels, on fait le même métier, on partage la même passion, on a les mêmes weakness, enfin bref. Et en fait, il est en train de lui arriver un truc horrible. Ça me donne envie de pleurer parce que je m'imagine en fait à sa place. Et le truc, c'est que j'ai besoin de la soutenir dans cette épreuve. Et je sais pas comment la soutenir parce que c'est tellement quelque chose... Elle est en train d'envoyer un message. C'est tellement dur en fait ce qu'elle est en train de vivre. Sa maman, elle a une maladie qui est dégénérative. Et en gros, moi je l'ai connue il y a 4 mois. Et sa mère, elle marchait encore, elle parlait encore. Et là, ça y est, c'est la fin. Et elle marche plus, elle parle plus, elle peut plus aller aux toilettes, elle peut plus déglutir quand elle mange. Elle est sous perfusion. Et là, aujourd'hui, là, on est à l'hôpital, quoi, pour la mettre sous sédatif pour qu'elle parte petit à petit. Et c'est dingue. Vous vous rendez compte? Perdre nos parents dans des conditions pareilles, c'est un truc de ouf. Et comment tu peux soutenir une personne qui est en train de vivre un truc aussi difficile, quoi? Voir sa mère mourir à petit feu, moi, c'est un truc qui me rend ouf, en fait. Et bref, je voulais trop partager ça avec vous parce que j'ai jamais vécu ça, jamais vécu en fait une personne aussi proche de moi qui est en train de perdre sa maman. Et je sais vraiment pas comment réagir, comment la soutenir et tout. Et du coup, j'avais trop besoin de vos conseils. Voilà.